Et salut tout le monde, c'est Dave des Ateliers de musique du B. Donc, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo. J'ai mis mes priorités ailleurs. Comme vous devez vous en douter, j'ai recommencé à aller travailler à l'école. Donc, c'est un déconfinement. Puis, c'était quand même relativement stressant après un petit bout de temps comme ça à travailler à distance, en télétravail. Puis là, d'arriver, dire « OK, là, on va sur le terrain, puis on affronte... » les peurs d'un peu tout le monde. Je sais pas comment ça se passe de votre côté, mais c'est quelque chose, mais finalement, ben, c'est pour une bonne cause, c'est-à-dire c'est pour les élèves. Donc présentement, au lieu d'enseigner la musique, j'enseigne la quatrième année avec un groupe d'élèves vraiment génial. Je les adore, ils travaillent super bien. Puis c'est ça, puis ils sont super motivants. Moi, ça me fait du bien même de voir des êtres humains. C'est respecter les consignes, hein, c'est quand même un défi au quotidien. Puis de garder une routine qui fait qu'on ne propagera pas le virus. Donc, peu importe d'ailleurs notre point de vue par rapport à ça, est-ce que ça a été exagéré ou pas, tout ça, on fera nos bilans après. Pour l'instant, d'après moi, c'est pas le temps de commencer à remettre trop en question les mesures. Si, en tout cas, tout le moins comme moi qui travaille dans une école, ou est-ce que c'est un secteur qui peut facilement être un vecteur de propagation. Donc voilà, puis ben moi ça m'a fait du bien de travailler avec des gens, de revoir des gens, d'avoir une vie sociale. Je vous le souhaite aussi si c'est pas le cas, si vous n'avez pas d'emploi, je vous comprends tellement l'insécurité. Il y en a beaucoup qui en vivent de ce temps-ci, financière, puis ils n'ont pas nécessairement la tête à faire de la musique, comme vous avez vu, mais j'avais pas la tête à faire des vidéos. Quand on me dit « Dave, tu retournes à l'école, puis ça se peut que tu n'enseignes pas la musique », ben là j'étais comme « ok ». C'est ça, un petit moment de panique, mais qui tout de suite je me suis engagé. J'avais des obligations aussi auprès de mes collègues de sécurité, étant donné que je suis dans le syndicat aussi. Donc ça, pour moi, c'était vraiment essentiel que tous mes collègues soient en sécurité, dont moi-même. Étant donné que je suis aidant naturel aussi dans ma famille, avec ma mère et son conjoint. Donc c'est important que les mesures soient déjà là. Je souhaite que de votre côté, ça soit la même chose. Puis, je pense que mon intuition était bonne, tu sais, durant le confinement, je vous disais, j'essayais de garder un horaire régulier, comme si je travaillais encore et non, tu sais, un horaire de vacances. Puis, ça fait que je suis capable de reprendre le rythme relativement bien. Puis ça, je suis très content de ça, c'était mon objectif. Puis, j'ai même, là, comme vous pouvez voir, je m'en mets aux vidéos, la pratique musicale, tous mes objectifs quotidiens que j'essaie d'avoir. Comme vous pouvez voir, attends, je vais vous montrer un petit peu... une feuille que je fais. Ça, c'est une feuille au quotidien que je fais. Vous voyez, quand j'ai atteint un objectif, je le surligne. C'est motivant, hein? Puis je mets des petits... une petite to-do list, super réalisable. Comme là, c'était de faire une vidéo assez simple pour donner des nouvelles. Une chose qui m'a beaucoup aidé, vous avez vu qu'il y a en lien avec ça, c'est la visualisation. J'ai l'air de pas prendre ça au sérieux, au contraire, je pense au sérieux, ça fait depuis l'adolescence que je pratique ça. C'est-à-dire que je me vois dans le futur, je projette mon subconscient dans le futur. Bon, il y en a qui vont dire, Dave, c'est un peu des croyances, ces trucs-là. Faites vos recherches. Je prétends pas que c'est une vérité absolue, mais pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis ça a aidé beaucoup d'athlètes, entre autres d'artistes. Moi, ça m'a aidé énormément pour combattre ma timidité, ce qui me permet d'être prof aujourd'hui, d'être musicien, d'être chanteur, donc voilà, parce que je me suis vu bien dans ma peau, puis ça c'est prendre le temps de méditer, puis de visualiser comment qu'on veut être, quand on performe, quand on veut être au quotidien, puis entre autres ça, là, tu sais, visualiser le déconfinement, l'après COVID-19, hein, je vous invite à le faire, ça, puis de vraiment de voir une vie qui est peut-être encore meilleure que ce qui était, tu sais, c'est vraiment un bon moment pour faire le point. Moi, je l'ai faite. Il y a des choses que j'ai éliminées de ma vie. Puis il y a d'autres choses que je prends plus le temps, puis je vois plus d'impact. Le fait d'être isolé comme ça, on voit les choses. On voit aussi la part des gens qui nous apportent du positif, des gens qui nous grugent un peu de l'énergie. Donc, apprendre à gérer ça aussi. Donc, voilà. Donc, la visualisation, ça m'a permis de revenir. Puis j'ai visualisé mon retour pas mal comme je le vis là. Évidemment, c'est pas parfait, là, on s'entend. Il n'y a personne qui a une vie parfaite, mais ça aide à garder un certain focus. Savoir le pourquoi aussi, pourquoi on fait les choses. Moi, je sais si l'éducation, puis entre autres la chaîne, ça me tient à cœur, c'est que je veux partager des connaissances. Je sais que la musique, ça aide beaucoup. Puis l'enseignement, c'est une façon d'aider les autres.
humblement, essayer d'apporter des connaissances, essayer de montrer aux autres comment on peut apprendre. Donc voilà, en espérant que ça va bien de votre côté, puis on se dit à la prochaine. Pouce bleu, on s'abonne. Puis gênez-vous pas si vous avez des suggestions de vidéos, vous m'écrivez n'importe quand. Donc voilà, on se dit au plaisir, à la prochaine. Puis abonnez-vous à toutes les vidéos, moi je l'ai déjà dit. Bye, salut.